Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ici Louisanne. Je suis avec vous pour un nouveau live. Alors, ce soir, ben après une semaine de carré, je continue avec vous tous notre série de live dégagement EFT. Alors, je vais attendre que les gens se connectent. Essayez de me faire des pouces ou des cœurs si jamais un miracle s'était passé sur mon ordinateur. Et si jamais quelqu'un sait comment ça se fait que les pouces et les cœurs et les petits bonhommes peuvent se désactiver, ben, écrivez-moi, s'il vous plaît, pour me dire comment je l'ai réagi. Ah! Je viens de voir un pouce, je capote! Un autre! Bon, je vais pleurer. C'est réparé, c'est réparé. Alors, je ne sais point ce qui s'est passé. Je n'ai rien fait. L'ordinateur a dû faire un beau dodo. C'est bon. Alors, je vous vois enfin que je suis contente, que pour moi, c'est facile de jaser avec vous quand je vois des pouces, des cœurs, des bonhommes crampés. Alors, ou des bonhommes qui pleurent, peu importe. Alors, bon, Eureka, c'est réparé. Quelle joie. Alors, bonsoir tout le monde. Nathalie est là, Yvan est là, Marie-Claude, Marie-Josée, Nicole, Hélène, Nancy. Coucou Nina, Louise, André, Andréane. Et là, vous êtes une mousse de gang. Vous êtes allés vite, là, vous autres. Manon, Chantal. Allô, Christophe, Mélanie, Louise, Chantal, Doré, Diane, Ginette Cormier. Bonsoir tout le monde. On est presque 40 après quelques minutes. Alors, ça va être un soin extraordinaire ce soir. J'ai aucune idée de quoi on va, de quoi nous allons nous dégager, mais nous allons nous dégager. Alors, les gens continuent de se connecter. Louise, oui Nina, j'ai peut-être fait une mise à jour de mon ordinateur. Il se pourrait, je n'en suis pas sûre. Doris, coucou Suzanne, Chantal, allô Val, Rosanne est là, Sylvie, bon, allô Manon, Alexandra est là. Alors, Micheline aussi. Stéphanie, alors nous sommes presque 50. Alors c'est parti mon kiki, on va se faire une soirée EFT de groupe et j'ai une belle annonce à vous faire en début de live. Je vais participer. Vous avez déjà vu, hein, surtout sur mes groupes d'étudiants, je l'ai vu passer. Je vais juste fermer mon téléphone ici. Alors, c'est ça, dans mes groupes d'étudiants, je l'ai propager. Je vais lancer toute la publicité cette semaine, mais je vais vous faire une pré-annonce ce soir d'un projet magnifique dans lequel je participe et qui va avoir lieu en 2020. Voyez-vous comment on est organisé? On est déjà en train de préparer le 2020, mais c'est comme ça dans le monde des voyages, parce que c'est d'un voyage que je vais vous parler en introduction très rapidement. Alors, je vais participer à une croisière dans les Antilles organisée par Voyage Ubuntu de Geneviève Yogne, où je suis allée aux Bahamas l'année dernière avec un beau groupe. Alors, j'ai aussi participé au programme Ubuntu avec Geneviève Yogne, j'aurais 3 ans de ça. Et là, Geneviève a organisé une croisière extraordinaire qui s'appelle Tisseurs et Tisseuses d'humanité. C'est une vacances croisière avec des conférences, avec des ateliers directement sur le bateau. Donc, le bateau va quitter Sainte-Lucie le 2 février 2020, donc le 2 du 2 2020, et nous serons à bord à peu près 500-600 personnes qui vont faire partie des tisseurs et tisseuses d'humanité avec 20 conférenciers et conférencières. Et quand vous allez acheter votre place sur le bateau, vous allez avoir droit à 9 ateliers plus 2 soirées conférences. Plus, et c'est ça qui est vraiment précieux, c'est que dans 3 des îles où nous allons arrêter, des habitants des îles vont nous attendre et vont nous avoir préparé des ateliers. Donc, les gens de Trinidad,
vont nous attendre pour nous présenter des trucs de leur culture et des ateliers, les gens de la Martinique et les gens de la Guadeloupe. Donc, à trois endroits, quand nous allons arrêter, nous allons avoir le privilège d'aller échanger avec des gens directement sur les îles. Donc, moi, à bord, je vais donner trois conférences de deux thèmes différents. Je vais participer aux soirées conférences aussi. Donc, si vous voulez vous joindre à moi, je n'ai que 20 places à vendre. Donc, chaque conférencier a des places à vendre. Alors, de façon à ce que on arrive avec nos groupes. Donc, si ça vous tente de vous joindre à moi pour cette magnifique croisière, je le sais, c'est loin. Je sais, vous allez dire, ben Louisanne, c'est dans un an et deux mois. Je le sais. Les bateaux, les croisières, c'est comme ça que ça marche. Moi, je n'ai jamais fait de croisière. Alors, si vous venez avec moi, vous allez assister à mon inauguration de la croisière. Alors, je n'ai jamais fait de croisière. Alors, mais c'est très, très, très longtemps d'avance que les croisières se bookent et se bookent et s'organisent. Donc, c'est pour ça qu'on est déjà dans l'organisation et que, ben oui, vous me mettez des petits bateaux, vous me mettez, alors bravo, je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien en bas de mon live, comme ça, si jamais ce voyage-là, en ma compagnie et en la compagnie de 20 autres conférenciers vous intéresse, ben allez cliquer sur ça et vous pouvez m'envoyer des questions. Moi, je vais faire le grand lancement de ce beau projet-là d'ici la fin de la semaine, mais j'avais hâte de vous le dire, de l'annoncer officiellement. Donc là, c'est annoncé, c'est officiel. Alors voilà pour ça. Ça va être extraordinaire. Les temps restent intenses, ne trouvez-vous pas? Alors, je vais venir prendre de vos nouvelles. Alors, comment allez-vous? Le dernier live, il y a deux semaines, nous avons travaillé à dégager des problématiques de yeux, des problématiques de nuque, de tête, un peu comme genre de congestion ici. Les énergies continuent d'être vraiment, vraiment intenses. Je vous dirais que la grande... comment je veux dire ça? Je cherche mon mot, là. La grande particularité de maintenant, de cette époque que nous vivons, c'est l'immense rapidité où nous créons notre vie. On pense à quelque chose, on peut le créer. On pense, on peut le créer. On pense, on peut le créer. C'est très, très, très rapide. Il y a de cela peut-être 15 ans, 20 ans, on pensait quelque chose et nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants le vivaient. Eh oui, c'était comme ça. Les ancêtres le portaient, les petits-enfants le vivaient. Mais maintenant, c'est tellement rapide que ça n'a pas le temps de se rendre à une génération d'après. Ça arrive dans notre propre vie. Ça arrive dans la semaine, dans les deux semaines qui suivent. On vit dans un temps extrêmement rapproché. Pour moi, dans un live comme ce soir, c'est difficile de vous expliquer tout le comment, du pourquoi. Et j'aurais besoin de beaucoup de temps pour vous expliquer pourquoi c'est vraiment ça qu'on vit. C'est quelque chose que je vais vous expliquer en détail lors de mon S'élever ensemble du mois de mai 2019. Mai 2019, là, c'est là que je vais donner le détail du détail sur toutes les raisons que c'est ça qui se vit présentement dans notre vie. Mais on vit dans cette extrême rapidité. Et quand on vit dans cette extrême rapidité et que on veut manifester ce qui est bon pour nous, ce qui nous rend heureux, ce qui est porteur de nos rêves, de nos aspirations, de cette facilité, je crois qu'on veut tous installer dans notre vie, ben c'est vraiment important de libérer les programmes inconscients. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit dans plusieurs lives, mais les programmes inconscients mènent notre vie. Alors, c'est les programmes inconscients qui font aussi que vous créez extrêmement rapidement ce qui les croyances que ces programmes-là portent. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais du EFT grande vitesse avec vous depuis plusieurs semaines, parce que je me suis dit, à quoi sert de continuer de juste remplir notre cervelle de nouveaux ou de concepts tripatifs? Oui, mais qui ultimement, ne change pas vraiment notre réalité. Mon intention est de changer et de vous aider, de vous accompagner à changer votre réalité, à changer ma réalité, à changer la réalité des gens
dans mon entourage, que vous puissiez vous aider les gens dans votre entourage à changer leur réalité. Et étant donné qu'on vit dans une si grande rapidité de manifestation, on a intérêt à enlever de notre inconscient toutes ces croyances qui nous limitent. Je vous l'ai déjà fait le dessin, notre esprit veut descendre, mais pour descendre, il a besoin d'enlever les branches du barrage castor de toutes nos croyances. Vous me suivez? Alors, voyez-vous, c'est ça qu'on fait. Alors, quand on fait des lives ensemble de EFT, on enlève les branches de castor de l'embâcle, du barrage, qui fait que c'est solide, que c'est serré et que notre esprit, notre merveilleux esprit ne peut descendre pour nous accompagner. Alors, voyez-vous, c'est ça mon moteur, c'est ça ma raison de vous accompagner en EFT comme ça, et je sais pas combien de temps je vais le faire. Peut-être que je vais le faire toute ma vie, ça m'étonnerait. Mais je vais le faire encore pour plusieurs semaines, à suivre en tout cas. Hein, des fois, Louisanne a changé d'idée. Mais on va le faire le plus longtemps possible. Donc, venez en parler dans votre entourage, parlez-en à vos amis. Plus nous serons nombreux, plus ça va faire une vague comme ça de grande libération et c'est exponentiel. Je vous l'ai déjà expliqué, ce qu'on libère en groupe est fois 1000, fois 10 000, fois 1 million. Ce que nous seuls, dans notre petite maison, entre nos deux oreilles, quand on libère tout seul. Je prends une petite gorgée d'eau. Donc, j'ai vu passer des petits commentaires. Marcel me dit « baisse d'énergie ». Définitivement, Marcel. Marie-Josée me dit « je meuble mes journées assez bien de choses variées ». Ben, tant mieux, Marie-Josée. Tant mieux. Donc, baisse de vitalité. Là, je peux jaser avec vous autres. Je suis tellement contente. Là. Vous allez me faire un petit bonhomme ou un petit cœur ou un petit pouce si vous sentez une baisse d'énergie. Dites-le-moi. J'attends votre réponse parce que peut-être que ce soir, on ira faire du EFT sur qu'est-ce qui cause la baisse d'énergie. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on a fait de l'EFT sur ne pas vouloir voir car j'ai peur de me tromper. Alors, venez me parler. Est-ce que baisse d'énergie vous parle? Là, je vois quand même pas mal de petits trucs qui montent. Je croirais que baisse d'énergie vous parle. Ouais. OK. Ouais. OK. J'aime ça voir les bonhommes. Mon Dieu, que c'est plus le fun que quand je parle toute seule. Alors, très bien. Alors, si baisse d'énergie vous parle, je vais aller tester en kiné si c'est adéquat de faire, de trouver la cause en EFT de qu'est-ce qu'on aurait à dégager pour retrouver le plus d'énergie possible. Je vous avouerai, parce que là, on est juste entre nous, hein? Personne presque nous écoute, il y a quand même pas mal de monde, mais on verra. Mais moi, de toute façon, c'est un secret que j'assume. Je vous avouerai que depuis 2 jours, donc là, on est mercredi, 2 jours et demi, j'ai fini d'enseigner reconnexion à soi dimanche soir. Je me suis blessée dans le stationnement au genou. J'ai eu de la misère à marcher depuis ce temps-là et j'ai bien entendu que mon corps me disait de se reposer. Alors, je vous dis que depuis 2 jours et demi, je ne fais rien. Alors, ma première activité est de faire un live avec vous ce soir. Je m'assois sur mon sofa et je tricote. Je me suis mis dans un grand projet de tricot, beaucoup trop difficile pour moi, mais c'est pas grave, pour vraiment créer quelque chose de vraiment beau. Je suis extrêmement contente de ce que je suis en train de créer, une espèce de châle asymétrique pété à 3 sortes de laine. Donc, je suis en train de faire ça. Et mon corps exigeait que je m'assoie et que je ne fasse rien. Alors, je reste en pyjama presque toute la journée. Je me fais un chalet à la maison. Alors, je me fais un chalet sans m'en aller au chalet. Alors, j'ai même regardé une série sur Netflix. Eh oui! Alors, je regarde une série, je tricote, j'écoute de la musique, je tricote, je fixe un peu le vide et je m'étends sur mon sofa et je fais un dodo. C'est à ça que ressemblent mes 2 derniers jours parce que effectivement, que c'est intense. Jennifer me dit maux de tête et courbature. Oui, Jennifer. Et ça, j'ai vu beaucoup de gens qui m'en ont parlé dans les derniers jours. Raideur dans la nuque, ça descend dans les trapèzes, dans les omoplates. Alors, on est vraiment dans
oui, c'est quelque chose. Marcel, tu fais des mandalas, oui, c'est super. Joanne me dit, moi, c'est mon sommeil qui est différent. Je me réveille à 2 heures le matin et ding, terminé la nuit. Hi, tu vois, Joanne, et j'ai des gens dans mon entourage que ding, 4 heures du matin, ils sont réveillés. 2 heures, je dirais que c'est un peu tôt. Alors, je ne sais pas comment vont tes journées, mais il y a quelque chose dans le temps qui n'est pas pareil. Il y a quelque chose dans l'énergie qui n'est pas pareil. Je vous ai parlé pendant longtemps de la fréquence de Schumann, de l'amplitude de Schumann. J'ai cessé d'en parler parce qu'elle ne fait que fluctuer, mais elle reste toujours à peu près dans les mêmes barèmes. Donc, il n'y a pas un changement notable sur la fréquence de Schumann depuis quelques mois. Donc, j'en parle pas trop, mais ça reste que les énergies sont vraiment, vraiment fortes. Lana me dit, hier pareil, mal partout. Tout va trop vite, hyper fatigué. Bonsoir, Sophie, bonsoir. Parce que je lis tout, hein, j'ai lu ton bonsoir. Lise Desjardins me dit mes épaules. Alors là, on est dans un épaule. Bon, c'est sûr qu'Audrey me parle de son bassin, mais on va essayer de faire un genre de synthèse. Alors, je vais prendre des petites notes. Alors, nous sommes dans fatigue plus, avec des raideurs musculaires. Hein, on va aller comme ça. Musculaire. Ça va être, on va aller partir de ça pour faire notre thème de la soirée pour le EFT de ce soir. Marie-Josée, bing à 6 heures, toi réveillée. Ah mon Dieu, ouais, c'est ça, faut apprendre à se déposer. Je sais pas, moi j'étais comme vous, je dormais pas trop, mais depuis que je fais rien, je dors comme une marmotte. Je dors des 14 heures par jour, alors mon corps est vraiment content. La hanche, courbature, tension nerveuse aussi, pas de tolérance. Oh, tellement, Nina. Tellement. Je vais l'ajouter. Tension nerveuse parce que ça, je l'ai vraiment beaucoup entendu et je le vivrais moi-même. Je l'ai senti dans mon propre corps. Tension nerveuse, comme un peu système nerveux en choc électrique, comme si on était en train de décharger. Raideur au cou, épaule. Alexandra, oui, chakra du cœur, gorge. Lucie, changement d'heure, nous vire à l'envers. Oui, c'est sûr, Lucie a changement d'heure qui a définitivement aussi un rôle à jouer chez nous ici au Québec, surtout, je crois, il fait noir à 4 heures, 4 heures et demie. C'est un petit peu intense. Bon, je vais renverser mon eau partout, partout, partout. Donnez-moi une seconde. Je vais juste... ça ressemble à ma semaine. Je vais juste prendre un petit essuie-tout parce que j'ai un genre de plancher que s'il prend l'eau, mon plancher, quand il prend l'eau, il gondole. Alors, je ne voudrais pas avoir un plancher gondolé, étant donné que je prépare un déménagement. Je ne voudrais pas que les gens qui viennent vivre dans mon condo aient un plancher gondolé. Bon, alors, j'ai répandu mon eau partout sur la table, digne de moi-même. Alors, les gens qui suivent mes lives depuis quelques années ou quelques temps, vous le savez que je suis la reine des bloopers. Alors, on vient d'en faire un, mais c'est bien contrôlé, bien contrôlé. Alors, très bien. Alors, êtes-vous prête? Prête, pas prête? On va aller se tester. Quel est notre thème de EFT pour ce soir? Puis moi, ben, j'ai mes essuie-tout mouillés qui tombent partout. C'est pas grave, on va l'avoir. Bon, alors, je baptise mes choses. Hein, on va dire ça comme ça. Je baptise mes choses avec de l'eau. Et on dit que l'eau, c'est les émotions. Alors, on est en train de... Alors, voilà, vous avez vu toute mon organisation. Je pense que je fais ça dans ma cuisine. Comme ça me permet d'avoir tout ce qu'il me faut à portée de main. Alors, je vais me préparer à tester. Je vais me centrer un peu, je vais me déposer. Nous avons, dans les dernières semaines, dégagé se sentir limité, des mémoires de violence. J'ai même une thérapeute, peut-être que je vous l'ai dit, je m'en souviens pas, mais j'ai une thérapeute de France qui m'a écrit qu'après qu'elle a dégagé violence avec nous un soir, elle a reçu dans son cabinet de consultation toute la semaine suivante, des gens qui venaient dégager de la violence. Et elle a vraiment fait le lien dans quand elle dégage, après ça crée une vague et elle peut accompagner les gens à dégager. Voyez-vous comment c'est extraordinaire? Donc, se sentir limité a été dégagé, violence a été dégagée, ne pas vouloir voir et peur de se tromper. Je sais qu'il y a d'autres thèmes, mais je ne m'en souviens pas. Ça, c'est les thèmes dont je me souviens. Donc, on va y aller comme ça. Alors, je vais me déposer dans mon eau répandue. Alors, je me dépose. Nous allons aller chercher la cause inconsciente,
grâce aux tests de kiné. Les gens qui sont là pour la première fois et qui ne connaissent pas la kinésiologie, vous pouvez aller sur mon site louisanne.com, je l'explique. Vous pouvez aller voir dans mes lives, j'ai fait des lives juste sur la kinésiologie. Et les gens qui ne connaissent pas le EFT, il y a un bel article de blog qui est maintenant sur mon louisanne.com aussi, qui explique toutes les bases du EFT. Donc, si vous connaissez pas kiné, vous connaissez pas EFT, vous allez sur louisanne.com dans blog et vous allez avoir des articles détaillés qui vont vous donner l'information sur ces techniques de libération ou d'accès à l'inconscient. Parce qu'à toutes les semaines, il y a du monde nouveau qui arrive. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu les bases. Donc, on va aller dans l'inconscient de tous les participants présentement et dans tous les inconscients des participants à venir. Le temps n'existe pas. Voir quelle est la cause de fatigue, raideur musculaire et tension nerveuse dans, disons, les derniers jours. On va y aller comme ça. Je vais demander pour commencer si ces trois thèmes sont liés ensemble. Non, ils n'ont pas la même source. Donc, je ne peux pas aller chercher un dénominateur commun. Je vais tester, voir qu'est-ce qui a la même source. Est-ce que fatigue et raideur musculaire ont la même source? Oui, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais tension nerveuse a une autre source. Donc, je vais mettre une étoile à côté de tension nerveuse et la semaine prochaine, ben, on ira voir si tension nerveuse est encore là. Attendez, par exemple, je vais tester quelque chose. Dans fatigue et raideur musculaire, est-ce que c'est nos bons thèmes pour ce soir? Non, ça teste que non, mon doigt fait non. Est-ce que le bon thème pour ce soir est tension nerveuse? Oui. Alors, Nina, tu as gagné, ma chérie. Alors, tension nerveuse c'est pas la source, c'est le thème. Tension nerveuse est le bon thème pour ce soir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. Ouais. Alors, on va aller chercher dans mon cartable de kiné, donc une banque de données, des milliers de mots. On va aller voir grâce au test de kiné, quelle est la source de tension nerveuse. Est-ce que je peux aller chercher juste un mot? Non, j'ai besoin de deux mots. Alors, la source commune de tous les gens qui sont présents présentement, là, et qui vont écouter le live demain matin, après-demain, la semaine prochaine, Alouette. Alors, la source de tension nerveuse, il y a deux sources. Le premier mot, oui, 1, 2, 3, ça va dans émotion. Premier mot, 1, 2, 10, 20. 10, 11, 12, 13, 14, page 14. Alors, je vous rappelle, là, les gens qui ne savent pas ce que je fais, allez voir mon blog, je vous l'explique. 1, 2, oui. 3, ici, oui. 9. Premier mot qui sort. Suspense. Mépriser. Premier mot qui sort. Mépriser. Alors, on ne tire pas tout de suite de conclusion. On va chercher le deuxième mot. Alors, le premier, mépriser. Le deuxième, 1, 2, oui, 1, 2, 3. Toujours dans l'émotion. 1, 2, oui, 10, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, page 18. Donc, mépriser et, oh, c'est de la peur, l'autre. 1, 2, oui, 1, 2, 3. Peur. Peur d'être manipulé. Alors, tension nerveuse vient de mépriser et de peur d'être manipulé. Alors, venez me dire qu'est-ce que ça vous dit. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas deux thèmes différents. Alors, il y a un, c'est vraiment se sentir méprisé ou peur d'être manipulé, de se sentir méprisé. C'est ça ici le thème. Alors, faites-moi pas juste des petits émojis, faites-moi des petits commentaires parce que là, je veux voir quels sont les liens que vous faites. Est-ce que ça vous parle? Et qu'est-ce que c'est les liens que vous faites dans mépriser et peur d'être manipulé? Alors, et c'est ça qui est là dans tension nerveuse présentement ce soir. Donc, mépriser et peur d'être manipulé. Alors, on va jaser ensemble et on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Ma peur depuis quelques jours d'être manipulée, dit Karine. Sylvie me dit pile dessus. Valérie, oui. Oui, la trahison dans le couple, me dit Sophie. Jennifer, oh my God, j'étais dans cette lignée de pensée depuis les derniers jours. Ah, Marie-Claude, oui. Ah oui, je vois, dit Diane. Bonsoir, me dit Jocelyne. Chantal, oui, peur d'être manipulée. Alexandra, en plein ça, merci. My God, je me sens manipulée et je ressens du mépris. Peur d'être manipulée.
manque de bienveillance, peur d'être manipulé au travail, c'est tellement ça. Je vous lis, là. Bien que tension nerveuse suite à ma décision de repartir à neuf, peur d'être manipulé par les autres, les hommes qui me voient seule, au prochain proprio, surtout à la recherche d'un nouveau logement. Wow! Bon, ben, on est bang on! Alors, vous allez voir dans votre vie, hein, parce qu'on a tous des tonalités différentes, où est-ce que vous avez ce ressenti-là d'être méprisé et d'avoir peur d'être manipulé. Tu sais, être méprisé, là, c'est se sentir pas important, hein, c'est ça. Quand on souffre de mépris, c'est que les gens ne nous prennent pas, hein, ne nous considèrent pas. Être méprisé, c'est ça le sens d'être méprisé. C'est ne pas être considéré, ne pas être pris en compte. Donc, ne pas être pris, hein, être méprisé. Alors, être méprisé, c'est ne pas être pris en compte et peur d'être manipulé, donc d'être utilisé. Étant donné que je ne suis pas important, je ne suis pas importante, je ne suis pas, on ne me prend pas au sérieux, on ne me considère pas. Je pourrais être manipulée ou on pourrait essayer de me manipuler. Alors, alors les gens me disent oui. Alors, ce qu'on va dégager en EFT ce soir, c'est être méprisé ou se sentir méprisé, pas important, pas pris en compte et qui amène une peur d'être manipulé. Je suis vraiment heureuse que ça vous parle autant. Nina me dit « Oh my God, tu es pile dessus. Wow, très juste. » La kiné, hein, c'est ça. On dirait que boum, on rentre dans l'inconscient direct et on peut aller chercher le dénominateur de tout le monde. Alors, vous vous souvenez de notre recette. Hein, je baisse juste un peu la lumière, je l'ai directement dans les yeux. Donc, la recette est, on a trouvé les données. Ce qu'on dégage, c'est de la tension nerveuse. Dans la tension nerveuse, il y a le sentiment d'être méprisé ou la peur d'être méprisé avec la peur d'être manipulé. Donc, ça, c'est ce qui est là dans le système nerveux. Alors, on va faire des séances de EFT exactement sur ça. Trouvez-moi la facette de votre vie où vous ressentez ça. Le mépris et le peur d'être manipulé. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les amours? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Avez-vous l'impression de vous mépriser? Et parce que vous vous méprisez, des fois on s'en rend pas compte, hein, mais on peut avoir ce type d'émotion pour soi-même. Donc, si vous vous méprisez, ben automatiquement les gens vont le ressentir et pourraient avoir tendance à vous manipuler. C'est comme si quand on n'a pas d'estime de soi et qu'on se méprise soi-même, on est facilement manipulable. Donc, allez voir dans quel domaine de votre vie ça parle et ça vibre le plus pour vous et venez me le quantifier de 1 à 10. C'est fort à combien sur 10 cet état-là pour moi présentement. Alors, je vous laisse une ou deux minutes et nous allons partir notre circuit. Alors, vous êtes prêts? Nous allons faire le circuit. Je vais le tester. Est-ce qu'on fait le trio choix? Non, on va vraiment faire les 8 points. Je vais descendre mon écran comme ça, que vous me voyez. Et on va ici sur la côte. On va finir ici. Est-ce qu'on va faire les doigts? On ne fait pas les doigts. On va finir sur la côte ici. Donc, on fait 8 points. Et on va faire les 8 points 3 fois avec, même si je me sens méprisée et que j'ai peur d'être manipulée. Même si je me sens méprisée et que j'ai peur d'être manipulée. Et pour ceux et celles à qui ça parle de dire, même si je me méprise et que j'ai peur d'être manipulée, parce que ça peut être ça aussi, ben, venez l'indiquer dans ce sens-là. OK, alors vous mettez vos chiffres, c'est parfait. Essayez de vous en souvenir pour vous-même parce que dans 2 minutes, 3 minutes, on va venir revérifier quels sont vos nouveaux chiffres, voir si cela a bougé. Donc, vous êtes prêts? Prêts, pas prêts? Alors, notez votre chiffre sur 10 et on va s'en aller dans même si je suis méprisée et que j'ai peur d'être manipulée. Alors, OK, alors on va partir ici. On va faire comme enlever notre aversion du même coup. Et vous allez dire même si je suis méprisée et que j'ai peur d'être manipulée. Je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je me sens méprisée ou je me méprise et j'ai peur d'être manipulée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. On n'oublie pas, hein, que ce qui se passe là est le miroir de ce qui se passe ici.
Alors, même si je me sens méprisée ou je me méprise, même quand je ne m'en rends pas compte, et que j'ai peur d'être manipulée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Alors, et on va venir au sourcil dire mépriser. Oui, au coin de l'œil, mépriser. Et en dessous de l'œil, mépriser. Et ici, mépriser. Et mépriser. Mépriser. Ici, vraiment là, là, clavicule, mépriser. En dessous du bras à quatre doigts, mépriser. Et sur la côte, ici. Ici, mépriser. Et on va revenir avec peur d'être manipulé. Et 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 même si je me sens méprisée et que j'ai peur d'être manipulée. Méprisée et peur d'être manipulée. Méprisée et peur d'être manipulée. Méprisée et peur d'être manipulée. Ici, on inspire profondément. Et on expire. Et vous allez juste venir voir comment vous vous sentez et venir vérifier si votre chiffre est le même, si ça a baissé. Claire-Hélène me dit, si ce thème ne me parle pas, je dirais, ma belle Claire-Hélène, que si tu es là parmi nous ce soir, c'est sûr que le thème te parle d'une certaine façon. Alors, peut-être qu'il faut que tu ailles voir dans des couches plus profondes, s'il n'y a pas une part de toi qui ne s'aime pas totalement et qui a peur d'être manipulée, ou s'il y a des mémoires de certaines époques de ta vie où peut-être on t'a méprisé et où tu as eu peur d'être manipulée. Ça n'a pas besoin d'être vécu dans l'ici maintenant. Ça peut être une mémoire de quelque chose qui perdure à l'intérieur de toi. Alors là, vous mettez vos chiffres, c'est super fin, mais venez plutôt me dire si ça a baissé parce que je ne me souviens pas de votre autre chiffre. Donc, c'est sûr que là, à 6 et à 5, ça a dû baisser un peu. Donc, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de données qui rentrent et venez me dire si ça a baissé un petit peu plus que ça. Alors, là, j'ai juste deux participantes à date qui me disent si ça a baissé. J'ai besoin de le savoir parce que ça va m'indiquer quelle est ma prochaine étape. Diane me dit « Je me sens calme. Ça fait déjà du bien. Manque de bienveillance envers moi. » Alors, tu le diras, Marie-Josée, au prochain tour, manque de bienveillance envers moi-même. Bianca, oui, mais j'ai le cadeau d'être respectée par l'autre. Donc, attends, j'ai pas le temps de tout lire. Pas vraiment changé, boule dans la gorge, me dit Sylvie. OK, Audrey, on descend, mais il y a des larmes. Baisse, pas vraiment baissé, je suis à 10. Moi, ça a baissé de 2. Quand même, je suis contente. On continue? Êtes-vous prêts? Moi, ça a pas bougé. OK. Alors, ceux et celles que ça a pas bougé, vous venez vous recentrer sur une facette très précise de votre existence, avec une mémoire précise. Vous pouvez faire même du EFT sur la foi que ça s'est passé et que je me suis sentie méprisée et pas respectée. La foi que. Alors, allez-y le plus précis possible. Alors, il y en a plusieurs que ça a baissé un peu. Bianca, oui, tout ça, ça fait dégager. Alors, baisse un peu. Alors, on continue et on refait un cycle de 3 où on va dire mépriser et peur d'être manipulé dans la même phrase, OK? Alors, c'est parti, mon kiki, on y va. Même si j'ai un sentiment de mépris et de peur d'être manipulé, mépris et peur d'être manipulé, mépriser 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 et peur d'être manipulé, ici mépriser et peur d'être manipulé. On revient, mépriser et peur d'être manipulé, 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 mépriser et peur, mépriser et peur d'être manipulé. 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 Alors, on le fait une troisième fois. Encore un peu de mépris et peur d'être manipulé. Encore un peu de mépris et peur d'être manipulé. Encore un peu de mépris et peur d'être manipulé. Encore un peu de mépris et peur d'être manipulé. 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 On inspire profondément.
Et on expire et vous allez me dire qu'est-ce qui se passe pour vous présentement. Est-ce que cela a changé? Lana me dit, les douleurs partent doucement au niveau des épaules. C'est incroyable. Alors que le thème était flou pour moi en ressenti, exactement. Ton inconscient le sent, Lana, c'est ça qui arrive. Alors venez, venez, venez me dire, les gens qui sont là, qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui bouge. On traite les tensions nerveuses en lien avec se sentir ou être méprisé, même par soi-même, et peur d'être manipulé. Si on se ramène, que ce qui se vit à l'extérieur de nous est notre miroir, il est certain que si on vit des ressentis d'être méprisé et d'être manipulé, c'est que nous-mêmes, nous nous méprisons jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que on est dans des dynamiques d'amour de soi, de respect de soi. Et ça, c'est tellement essentiel et important. C'est la base sur laquelle nous assoyons, mais c'est une base qui souvent n'a pas été construite dans nos familles, dans notre enfance, à l'école, dans nos couples, dans nos histoires. Nous sommes arrivés souvent en ayant plutôt appris à ne pas parler, à ne pas s'exprimer, à être invisible, à se taire, à ne pas déranger. Donc, c'est comme une façon de se mépriser soi-même. Donc, ne pas se mépriser, c'est être soi, c'est être vrai, c'est s'affirmer. C'est dans l'expression profonde et l'accueil total de qui nous sommes. Et plus nous nous accueillerons tels que nous sommes, ben moins notre entourage va nous mépriser. Parce que c'est comme ça que ça marche. La vie est un miroir. Donc, je vais voir, bon, je baille, je m'endors, douleur moins intense. Ça fait quelques minutes que je viens d'arriver. C'est un thème très fort chez moi. Ça déclenche une grande tristesse. Alors, Annie, embarque dans le train avec nous. Micheline, très bien détendue. Alexandra, ça va mieux. Prends conscience plus de vie de couple, me dit Ginette. Alors, baisse de 3. Bon, ben très bien. Donc, ça baisse, ça commence à baisser. Un peu plus calme, baisse de moitié. Alors, on est en train de l'avoir. Diane, laisse pleurer. Quand ça pleure, on laisse pleurer, on accueille, on est dans un processus de libération. Chantal, bâillement, sens du froid dans ma bouche, c'est possible. Oui, génération, on parle, oui, c'est ça. Alors, j'arrête pas de bâiller, alors on fait la vague pour les gens qui n'arrêtent pas de bâiller. Alors, là, avec qu'est-ce que je viens de vous dire, hein? Que mépriser, ben quand on le vit à l'extérieur, c'est qu'on se le fait à soi-même. On pourrait venir commencer à faire notre EFT trio choix, c'est-à-dire le EFT où on va venir installer une polarité positive. Et si on allait dans la polarité positive pour vraiment mettre ce programme-là au point zéro, la polarité positive de se sentir méprisé, de se mépriser soi-même, et qui donne une peur d'être manipulé, ça pourrait être quoi? Venez jouer avec moi. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être me reconnaître et être respecté. Je vais l'écrire parce que des fois, moi, je dis les mots, puis après ça, je les oublie. Est-ce qu'on pourrait faire me reconnaître et respect? Le contraire de manipuler, c'est le respect. Reconnaître et respect, est-ce que ça vous parle? Alors, je me reconnais et je me respecte. Je me vois, comment on pourrait le dire? Mépriser, c'est ne pas être pris en compte. Donc, quand on est reconnu, c'est qu'on est vu pour qui on est. Hein, la personne nous reconnaît, elle nous connaît à nouveau. Donc, être reconnu et être respecté, est-ce que ça pourrait être nos polarités positives? Karine me dit confiance. Non, ça teste pas, je le teste, Karine. Solidité, ça teste pas. Amour de soi, teste Lana. Donc, on va mettre amour de soi. Amour de soi, m'accepter totalement.
Ouais, ça teste, mais pas à 100%. Alors, je vais juste prendre qu'est-ce qui teste. Alors, voyez-vous comment c'est le fun quand on joue ensemble? Je m'aime et je m'approuve. C'est très bien, mais on va le faire en EFT en le disant plus en profondeur encore. Considérer. Ah, considérer. Considérer, ça teste. Amour de soi et considérer. Je me considère. Oh! Ouais, je me considère. Ça teste vraiment bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me considère et je m'aime et je suis respectée. Je me considère. On finira avec amour de soi. Je me considère et je me respecte. On va faire ça. On va faire considération et respect. Alors, je l'ai testé. Alors, c'est ce qui teste le plus. Alors, c'est Eureka, on l'a trouvé. Alors, nous allons faire un EFT alterné négatif-positif qui s'appelle le trio choix. On fait une ronde de négatif, on fait une ronde de positif, on fait une ronde de on alterne et on ira voir qu'est-ce que ça vous fait. Alors, merci hein, de participer, de me faire des choix comme ça, là. C'est très, très, très apprécié. Donc, j'ai encore de l'eau qui dégouline partout. Moi, j'ai fait la fontaine quand j'ai fait du EFT. OK, parfait. Alors, on va aller voir ici. Oui, très bien. Êtes-vous prêts? Donc, on fait un tour sur mépriser et peur d'être manipulé. Et on ajoute. Je me considère et je me respecte. Et après ça, on fait alternance, mépriser, peur d'être manipulé, et je me considère et je me respecte. Et après ça, on va ajouter amour de soi. Alors, on avance, on y va. Un, deux, trois, go. Même si j'ai été où je suis, où je me méprise et que j'ai peur d'être manipulé. Je me méprise, méprisée et peur d'être manipulée. Puis même si je me méprise, ne vous parle pas, je vous invite à le faire. Même si je me méprise, on me méprise et que j'ai peur d'être manipulée. Même si je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Même si je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Même si je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Même si je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Même si je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Je me considère et me respecte. Je me considère et me respecte totalement. 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 Je me méprise, on me méprise, j'ai peur d'être manipulée. Je me considère et je me respecte totalement. Je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Je me considère et me respecte totalement. Je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Je me respecte et me considère totalement. Je me méprise, on me méprise et j'ai peur d'être manipulée. Je me respecte et je me considère totalement. Inspirez profondément et venez me dire comment vous vous sentez. Vous faites le côté que vous voulez, Daphné, c'est pas important. C'est pas important. Alors, venez me dire ce qui a bougé pour vous en faisant la technique du trio choix, qui est une polarité positive, une négative, on met tout ça au point zéro. Venez me dire, vous pouvez me faire des cœurs, vous pouvez me faire des petits pouces, des petits bonhommes qui rient, vous pouvez venir me faire des commentaires, juste prendre votre pouls de ce qui est là suite à ça. Y a quelqu'un qui me fait des petits bonhommes choqués. Peut-être que son EFT ne fonctionne pas.
Alors, Chantal me dit, Nathalie me dit 1 sur 10. Wow, Chantal se sent bien. Diane, sanglot de libération. Yay, Val, bien. Andréane, ça vibre et ça baille. Alouette, Nicole se sent plus libérée. Nathalie se sent beaucoup mieux. Caroline, merci. Sophie, calme. Karine me dit, wow, grand mouvement dans tout mon être. Yay! Lucie, je me sens bien en paix, Manon, libérée, soulagée, beaucoup plus calme, dit Jennifer. Bye et mes yeux pleurent. C'est ça qu'on veut. Marianne, Marilou, ça me fait un grand bien. Bravo. Donc, Audrey, t'es passée de 5 à 3. Parfait. Les douleurs changent de place, Lise. Alors, t'as besoin de continuer de le faire. Bianca, 4 sur 10. Je n'ai plus mal à la tête, plus calme, juste les épaules un peu moins tendues. Bravo, bravo. Soulagement, relax, apaisement, alignement déjà, me dit Annie. Doris, bon, wow, ça descend, baissé de 10 à 2, 3. Sylvie, wow! Marcel, bye, s'endort. Je vous laisse aller dormir bientôt. Chantal, ça va bien, ça descend, plus calme, des frissons. Les frissons, c'est bon. Ginette se sent neutre. C'est super, c'est super. Ça a descendu allègrement. Il est 45. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est là. Puis je n'en reviens pas. Comment que ça passe vite? Comment ça passe vite? Je vibre encore plus légèreté, senti une remontée d'énergie. Est-ce que ça vous tente? On fait un dernier trois tours sur juste amour de soi. Je m'aime tel quel, je m'aime tel quel, je m'aime tel quel. Parfait. On va se faire un dernier tour de je m'aime tel quel. Alors, après ça, on ira faire un petit dodo si vous êtes fatigué. Alors, OK, on fait un petit tour de je m'aime tel quel. On fait rien que du EFT positif. On se lance dans le EFT que positif. Alors, on y va. Parti mon kiki. Trois tours des 8 points sur je m'aime tel quel. Et pensez à ce que vous aimez de vous en le faisant. Pour l'amplifier, que vous le voyez de plus en plus et que tout le monde autour de vous le voit aussi. Alors, je m'aime tel quel, je suis parfaite tel quel. Wow! On s'embrasse tel quel. La parfaite imperfection, c'est notre but. Alors, on y va? Très bien. Alors, je m'aime tel quel. Je m'aime tel quel. Je m'aime totalement et profondément. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime tel quel. Je m'aime. Je m'aime totalement et profondément. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime tel quel. Je m'aime tel quel. Je m'aime profondément. Totalement. Je m'aime totalement, profondément. Dernier tour, je m'aime, pense à ce que vous aimez, ressentez cet amour pour vous. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, amour, je m'aime, je m'aime. Et j'accueille ma vie telle qu'elle. Voilà, waouh, on a fait un grand tour. Alors, bravo, bravo, bravo. Venez me dire comment vous vous sentez. Venez me dire comment vous vous sentez. Et je vous invite à considérer sérieusement venir à mon S'élever ensemble de mai 2019 où je vais vous révéler des grandes, grandes, grandes clés pour reprendre votre pouvoir et vous allez comprendre pourquoi tout se manifeste si rapidement. On ira voir le détail du détail. Pour le moment, on élague, on nettoie, on élague, on nettoie. On aura le temps et on aura l'esprit encore plus clair pour mieux comprendre tous ces grandes clés que je suis à découvrir. Donc, Lana, les larmes qui montent, Dominique, calme et souriante, en amour avec moi. Yéval! Merci, Dianique, super bien. Marcel, beaucoup mieux, merci. Je me sens très, très, très bien, dit Nathalie. Wow, tellement, tellement contente. Douce émotion, me dit Chantal. Bon, parfait, oui, Nina. Alors, toi, tu m'appelles Nina, une chance que tu étais là ce soir, tu nous as bien inspirés. Marie-Josée, on continue à repousser le négatif. Ouais, puis je dirais, ma belle Marie-Josée, on va le dire différemment. On va pas le repousser.
on va l'accueillir en lien avec une polarité parfaite. Je dirais, on va le dégager. Mais le repousser, c'est comme en physique quantique, ce à quoi on s'oppose, ce qu'on repousse s'amplifie dans l'autre sens. Nous, ce qu'on fait, c'est on dégage, on libère. Yeah! Alors c'est ça, on sourit, on se fait des sourires d'amour à soi-même. Chantal, super détendu, frisson. Wow! Bon, alors, écoutez, je vous lis pas tout à haute voix, mais c'est vraiment, vraiment positif. Alors, mission accomplie. Nous avons fait encore un grand, grand, grand bond de dégagement ce soir et ça va continuer. Ça va continuer la semaine prochaine. Marie-Josée, bravo pour ta prise de conscience. Alors, super, hein? Il n'y a rien pour rien. Donc, je vous invite à refaire le EFT si le besoin vous en fait, vous ressentez le besoin cette semaine. C'est sûr que faire une séance EFT comme ça de groupe par semaine, c'est excessivement puissant. Mais si vous continuez à vous accompagner vous-même pendant la semaine, c'est encore plus puissant. Donc, vous pouvez rester sur les mêmes thèmes, vous pouvez réécouter le live, venir le refaire avec nous. Les lives, ils sont là tout le temps, en rediffusion dans la section vidéo de la page Facebook à mon nom. Alors, vous pourrez très bien venir repratiquer. Alors, je vous dis une belle semaine. Allez regarder les détails de ma super croisière et venez vous dire si ça vous tente de voguer avec moi dans les eaux des Antilles. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live de dégagement. Passez la nouvelle avec vos amis, là. Alors, n'ayez pas peur d'avoir l'air bizarre parce que c'est ça la solution dans la vie, c'est avoir l'air bizarre. Plus on aura l'air bizarre, plus on va s'assumer, plus on va s'aimer dans notre bizarreté et plus on va réaliser que les autres sont bizarres aussi et que dans le fond, ils vont pouvoir bénéficier de ce grand travail de dégagement que nous sommes tous en train de co-créer ensemble. Alors, bravo, bravo. Je lis tous vos commentaires. C'est super, super inspirant pour moi et je suis infiniment heureuse de pouvoir vous accompagner. Je suis infiniment heureuse que mes bonhommes soient revenus. Alors, ma prière à l'univers a été exaucée ou peut-être une mise à jour d'ordinateur. On ne sait jamais. C'est un des deux. Alors, belle soirée à tout le monde. Bonne nuit. Bon dodo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Bye! Bye, bye tout le monde.